personne de la parole de Dieu qui inaugure ce commencement de message en annonçant son séminaire titré « Comment différencier un prophète d'un faux ». Gloire à Dieu. Amen. Non, c'est la parole de Dieu. Comment reconnaître un faux prophète d'un vrai prophète? Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, gloire à Dieu. Amen. Le diable a réussi à marquer le point dans l'église. Il a réussi à conduire non seulement l'église, mais l'humanité. Gloire à Dieu. Amen. À croire que le vrai prophète doit se faire reconnaître par le miracle. Je me rappelle d'un frère qui arrive au ciel. Et puis, il a fait aller. Et il lui a dit, sur la terre, vous reconnaissez le prophète par le miracle. Gloire à Dieu. Amen. Là, ici au ciel, on le reconnaît par l'amour de Dieu. Son nom. C'est la parole de Dieu. Alors, nous sommes en guerre. On va regarder dans la parole de Dieu. Jésus va dire qu'il s'élève là de faux prophètes. Alors, où auront-ils le succès? La conscience de la fausse prophétie va mener le l'humanité qui est dans la conscience de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Gloire à Dieu. Amen. On croit que c'est le miracle qui détermine le vrai prophète, l'approbation du ciel sur le prophète sur la terre. Et qu'on est par le miracle, par les signes. Alors, Jésus va dire qu'il se révèle des faux prophètes qui feront des miracles mensongers. Gloire à Dieu. Amen. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Là déjà, le grand piège de l'ennemi. Gloire à Dieu. Amen. Nom, c'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Le grand piège de l'ennemi. Gloire à Dieu. Amen. C'est d'amener l'humanité à regarder l'ennemi. Miracle. Gloire à Dieu. Amen. Et à partir des miracles, gloire à Dieu. Amen. Et vouloir déterminer si on a affaire à un vrai prophète ou à un faux prophète. Gloire à Dieu. Amen. Alors on ouvre ce séminaire. Gloire à Dieu. Amen. Première journée, première leçon, premier enseignement. Gloire à Dieu. Amen. Comment connaître un faux prophète d'un vrai prophète? Est-ce à l'aide des miracles? Gloire à Dieu. Amen. Ce n'est pas à l'aide d'un miracle. C'est à l'aide de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est à l'aide de la parole de Dieu. Alors on a des expressions très communes qui nous paraissent dans la Bible. Gloire à Dieu. Amen. Dans les Écritures qui rendent témoignage. Gloire à Dieu. Amen. Du Seigneur Jésus. Connaître les vraies Écritures. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, les Écritures vont affirmer. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Gloire à Dieu. Amen. Il n'a fait aucun miracle. Pourtant, il était un vrai prophète. Gloire à Dieu. Amen. Si on s'appuyait sur les miracles pour déterminer le vrai prophète. Gloire à Dieu. Amen. Jean ne serait pas un prophète. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Mais tout ce qu'il a dit de Jésus était vrai. Gloire à Dieu. Amen. Donc on reconnaît un vrai prophète par la parole. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc c'est d'abord la parole. Gloire à Dieu. Amen. Et la parole de la crucifixion. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors en notre temps, gloire à Dieu. Amen. Au temps de la grâce, son nom, c'est la parole de Dieu. On peut reconnaître le vrai prophète. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. La parole qui fait le miracle du témoignage. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est la question du miracle de la sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Jean n'a fait aucun miracle. Mais dans la parole qu'il avait, gloire à Dieu. Amen. Ce qu'il a dit, gloire à Dieu. Amen. A été accompli. Gloire à Dieu. Amen. Jean a dit que Jésus va faire le miracle de la sanctification. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Aucun d'autorité. Aucun de puissance. Qui s'élève au milieu de vous. Gloire à Dieu. Amen. Et vous connaîtrez le faux prophète quand ce qu'il va annoncer n'arrivera pas. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il va annoncer, donc ça ne parlera pas sa parole. Gloire à Dieu. Amen. Vous allez d'abord
d'abord juger le mensonge et la vérité à partir de la parole. Amen. S'il a annoncé le mensonge, amen. Tu ne veux plus attendre le mensonge que ça s'accomplisse. Amen. C'est la parole de Dieu. S'il a accomplissement de mensonge, amen. S'il a annoncé, il est déjà un faux prophète. C'est dans l'ordre là que la parole va dire dans Deutéronome chapitre 13. Amen. C'est la parole de Dieu. La parole va bien déclarer, gloire à Dieu. Amen. Qui s'élève un milieu de toi, un faux prophète. Gloire à Dieu. Amen. Qui t'annonce quelque chose et qui est accompli. Seulement. De la chose là, gloire à Dieu. Amen. Et qui te disait d'aller adorer notre Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Son qui t'amène au péché. Gloire à Dieu. Amen. Un Dieu qui n'a pas fait le ciel et la terre. Un Dieu qui n'a pas créé l'homme. Nouveau. Qui n'est pas ton créateur. Gloire à Dieu. Amen. Qui n'est pas la parole qui était au commencement. Et qui était avec Dieu et qui était Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Qui t'amène à donner une autre parole qu'Adam n'a pas connue. Gloire à Dieu. Amen. La parole qui n'est pas la Christ. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors il sera déclaré faux prophète. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. On voit déjà que l'esprit tient beaucoup sur la parole du prophète. Jésus dit dans Jérémie chapitre 23. Gloire à Dieu. Amen. Il dit à ceux qui me méprisent. Gloire à Dieu. Amen. Il ne vous arrivera. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ne laissez point envoyer. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. La crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. Amen. Le prophète, gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc c'est au nom de la parole de Dieu. Nom, c'est la parole de Dieu. Terminé, gloire à Dieu. Amen. On va plus loin, gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Pour le prophète, rende de lui le témoignage. Gloire à Dieu. Amen. Pour connaître un vrai prophète. Terminé, premier enseignement, gloire à Dieu. Amen. Est-ce que c'est pas les miracles? Gloire à Dieu. Amen. On voit bien que c'est pas la parole qu'il annonce. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors tous les prophètes, de lui le témoignage. Et quiconque croit en son nom n'obtient pas son nom le pardon de ses péchés. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Amen. Qui enlève le péché du mort. Il s'appelle celui qui est mort. Amen. Et qui est devenu la vie. L'agneau qui a été immolé. Et par la parole de la Christ. C'est fiction. Il enlève le péché du mort. Amen. Christ est Christ crucifié. Dans le seul Dieu qui a été manifesté en chair. Son nom, c'est la parole de Dieu. Un prophète qui ne rend pas de lui le témoignage. Gloire à Dieu. Amen. Est un faux prophète. Une écriture qui ne rend pas de lui le témoignage. Est un faux. Écriture. Gloire à Dieu. Amen. Une faux prophétie. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Son nom, c'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Dont le prophète Dieu avait la parole de la Christ. C'est fiction. Gloire à Dieu. Amen. S'il n'a pas la parole de la Christ. C'est fiction. Ce n'est pas moi qui l'ai envoyé. Dans ma parole, il y a la sanctification qui accomplit ma volonté. Gloire à Dieu. Amen. Le prophète vient accomplir la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Non, c'est la parole de Dieu. Il va dire mes paroles. Gloire à Dieu. Qui vont accomplir ma volonté. La volonté, c'est la sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il n'a fait aucun miracle. Mais tout ce qu'il a dit de Dieu, de gloire Jésus. À Dieu. Amen. C'est vrai. Gloire à Dieu. Amen. Qu'est-ce que Jean a dit de Jésus? Gloire à Dieu. Amen. Quelle parole Jean a-t-il annoncé? Gloire à Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Gloire à Dieu. Amen. Jean a dit que voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Il va faire le miracle d'enlever le péché du monde. Gloire à Dieu. Amen. Que ce miracle tient. Regardez toute la terre. Que perd son âme. Grâce de vie. Qui vous a pris à faire la colère à venir. Gloire à Dieu. Amen. Moi je vous baptise et gloire à Dieu. Amen. Au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Gloire à Dieu. Amen. Il vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, que la parole de Dieu. Quand il baptise du feu et du Saint-Esprit, ça veut dire qu'il a enlevé ton péché. Gloire à Dieu. Amen. Qui t'a donné la vie et la vie. Son nom, que la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Dans la parole des gens, il y avait un miracle terrible. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, que la parole de Dieu. La parole de la Christ. Son nom, c'est la parole de Dieu. Un miracle. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. L'Odyssée des fruits, digne de la repentance. Terminé, gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'ils disent au peuple les paroles?
douce pour les flatter. Non. Grâce de Dieu qui vous a réappris la colère à venir. Gloire à Dieu. Ne vous mettez pas à vous dire en vous-même, nous avons pour Père Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Un Jésus qui n'est pas Christ. Un Jésus qui ne te Christe pas. Un Jésus qui ne t'appelle pas à porter ta croix. Gloire à Dieu. Un Jésus qui ne t'appelle pas à la sauve. Gloire à Dieu. Un Jésus qui dit qu'il a pardonné tes péchés sans la Christ. C'est la parole de Dieu. Une fausse parole. Gloire à Dieu. Un faux Jésus qui n'est pas la parole qui a été manifestée en chair. Gloire à Dieu. Un Jésus qui n'est pas la parole qui a parlé au premier Adam. Gloire à Dieu. Que le jour tu mangeras, tu vas mourir. Gloire à Dieu. Que la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Gloire à Dieu. Où est le témoignage de ce prophète? Gloire à Dieu. Que la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Celui sur qui tu verras l'esprit descend. C'est lui qui baptise du feu et du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Déjà la cognée est mise à la racine de l'arbre. Gloire à Dieu. Toute table qui ne porte pas de bon fruit sera coupée. Jésus va venir confirmer. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. Toute table que mon Père céleste n'a pas planté sera coupée et jetée au feu. Gloire à Dieu. Son nom. Que la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. La parole pour faire de moi une nouvelle créature. Gloire à Dieu. Amen. Une nouvelle plante. Gloire à Dieu. Son nom. Que la parole de Dieu. Voilà le vrai prophète. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. Que la parole de Dieu. Que Dieu. La parole prophétique. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. Que la parole de Dieu. Ils ont entendu Jean parler. Gloire à Dieu. Amen. Ils ont suivi Jésus, celui qui était mort et qui est devenu la vie. Ils ont pris leur croix pour suivre le Seigneur. Jésus. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il le renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est comme ça que j'enlève le péché. Du monde. Gloire à Dieu. Amen. J'en ai parlé de l'agneau immolé. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. Que la parole de Dieu. J'en ai parlé de l'agneau qui a été immolé. Gloire à Dieu. Amen. Christ est Christ, crucifié. Que personne ne te fasse pas avec les formes. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. Que la parole de Dieu. Christ est Christ, crucifié. Gloire à Dieu. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Par la crucifixion. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. Que la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Que la parole de Dieu. Il dit que Jean dit que Jésus a son pain à la main. Gloire à Dieu. Amen. Il a son épée à la main. Gloire à Dieu. Amen. Il nettoyera son âme par la crucifixion. Gloire à Dieu. Amen. Son que la parole de Dieu. Pardon de Dieu. Il va enlever la vie du péché. Le sang du péché. L'esprit du péché. L'âme du péché. Gloire à Dieu. Amen. Son c'est la parole de Dieu. Il amassera le grain dans le grenier par sa résurrection. Gloire à Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. C'est ce que Jean a annoncé. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est ce que Jésus a fait. Gloire à Dieu. Amen. Donc, son nom. C'est la parole de donc, Dieu. Jean était un vrai prophète. Gloire à Dieu. Amen. Son c'est la parole de c'est Dieu. La parole de Dieu. Jean n'a fait aucun miracle. Gloire à Dieu. Amen. Mais tout ce qu'il a dit de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de la Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Tu as besoin du miracle de la sanctification. Sans laquelle tu vas être jeté dans le feu. Gloire à Dieu. Amen. Jean va venir avec l'esprit d'Élie. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Il va t'enseigner le miracle qu'il faut rechercher. Gloire à Dieu. Amen. Et il faut trouver la parole qui peut faire le miracle. Gloire à Dieu. Amen. Il dit que race de vie Père, qui t'a pris à fuir, connaître, à venir. À venir chercher la parole de la Christ. Fiction. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Connaît à venir n'est enlevé que par celui qui crucifie. Avec ses passions. Avec ses gloire à Dieu. C'est lui qui peut enlever la maladie qui te conduit à la colère. À venir. Gloire à Dieu. Amen. Dans le feu éternel. La maladie du péché. Gloire à Dieu. Amen. Son c'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Jean a rendu témoignage du Seigneur. Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Il a rendu témoignage à la vérité. Gloire à Dieu. Amen. Que Jésus brûlera la paille dans le feu. Qu'il est certain point. Son nom. C'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Gloire à Dieu. Amen. Donc, si tu avais entendu, Jean, gloire à Dieu, amen. Tu devais suivre celui qui fait le miracle de la sanctification. Gloire à Dieu, amen. Tu as donc suivi un vrai prophète. Gloire à Dieu, amen. Son la parole de gloire Dieu. À Dieu. Amen. Il rend témoin que c'est Jésus qui fait le vrai miracle. Gloire à Dieu, amen. Qui donne la vie éternelle. Gloire à Dieu, amen. Son c'est la parole de Dieu. Pardon de Dieu. Tu dois chercher le vrai prophète. Gloire à Dieu, amen. Tu dois chercher la parole du vrai prophète. Gloire à Dieu. Amen. Je reconnais maintenant que la parole de Dieu dans la bouche de Jean-Baptiste est la vérité. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. Que la
parole de Dieu. Et servirait il un homme de garder toute la terre. Si Pédé, son âme, terminé, gloire à Dieu. Amen. Un miracle, mensonger. Gloire à Dieu. Amen. On reconnaît un prophète. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. On reconnaît un prophète. Gloire à Dieu. Amen. Par la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Qui a été manifestée en chair. C'est dans cette parole qu'il y a le vrai miracle. Gloire à Dieu. Amen. C'est cette parole qui fait lui-même le vrai miracle. Là, le sacerdoce qui n'est pas transmissible. Gloire à Dieu. Amen. Comme chez la terre, si où tu te tiens. Gloire à Dieu. Amen. On t'a tendu des pièges terribles. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. On te fait croire. Gloire à Dieu. Amen. Que c'est regarde les miracles. Pour dire qu'il est vrai prophète. Oui, le faux prophète. Gloire à Dieu. Amen. Tu regardes la parole. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Donc, tu vas voir le miracle que la parole est capable de faire. Gloire à Dieu. Amen. Ton problème, c'est le feu éternel. Ça va redéfinir la thématique. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Que c'est le prophète. Gloire à Dieu. Amen. C'est la parole. Gloire à Dieu. Amen. Qui sera capable de faire le miracle de la sanctification. Qui sera la vraie parole. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. C'est le prophète qui parle la parole. Qui est capable de faire le miracle de la sanctification. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Qui est le vrai prophète. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Alors, c'est celui qui va faire que le feu descende du ciel. Le feu du Saint-Esprit descende du ciel. Pour toucher l'homme nouveau. C'est lui. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Son nom. C'est la parole de Dieu. Est-ce que Baal peut faire le miracle là? Non. Son nom. C'est la parole de Dieu. Est-ce que la parole de la chair peut faire le miracle là? Non. Son nom. C'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Ça, c'est la parole qui est vraie et esprit. Ça, c'est la parole de l'agneau qui a été immolé. Qui va tuer celui qui ne peut pas recevoir le baptême du feu et du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen. Et qui va ressusciter. Gloire à Dieu. Amen. Pour mettre sur pied un homme nouveau. Sur quel, sur qui? Gloire à Dieu. Amen. Le feu du Saint-Esprit Esprit. Va descendre. Gloire à Dieu. Amen. Il n'est pas seulement question de dire que tu peux faire que le feu descende du ciel. Et dire que tu es un vrai prophète. On veut connaître le témoignage. Comment le feu la cherche quoi? Gloire à Dieu. Amen. Le feu la descend sur qui? Gloire à Dieu. Amen. C'est illégal de faire descendre le feu de Dieu sur un ennemi de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Le feu de la sanctification. Gloire à Dieu. Amen. Son c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole qui a la thématique. Gloire à Dieu. Amen. Comment tu as fait? Gloire à Dieu. Amen. Pour lui donner le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen. Il était inimitié avec Dieu. Il était ennemi de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Je n'exauce pas les pécheurs. La cognée est déjà mise à la racine de l'arbre. Gloire à Dieu. Amen. Tout table qui ne porte pas. De bon fruit. Sera coupé. Et jeté au feu. Mais il y a l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Qui enlève la rébellion du monde. Gloire à Dieu. Amen. Dans sa parole. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Aucun d'autorité. C'est lui le beau. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Pardon. De Dieu. Alors il va te ressusciter. Il va faire de toi une nouvelle créature. Gloire à Dieu. Amen. Il va détourner la colère de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Il va te réconcilier avec le Père. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Alors, il te donne maintenant le Saint-Esprit. Esprit. C'est lui qui fait descendre le fleuve du ciel. Gloire à Dieu. Amen. On va voir que la bête qui entre dans le temple, gloire à Dieu, amen. Dieu s'il aura une parole, il va faire tomber un faux feu du ciel, gloire à Dieu, amen. Et son prophète va annoncer, gloire à Dieu, amen. Que c'est le prophète qui va faire descendre le feu du ciel, qui est le prêtre, gloire à Dieu, amen. On va connaître le témoignage du feu qui descend du ciel, son nom, c'est la parole de Dieu, pardon, de Dieu. C'est pour faire quoi, gloire à Dieu, amen. C'est pour croire en quelle parole, Rome. Gloire à Dieu, amen. Son nom, c'est la parole de Dieu, pardon, de Dieu. Le feu qui descend du ciel, ramène le cœur des enfants vers le Père. Gloire à Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Gloire à Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Voilà le vrai feu du vrai prophète. C'est la parole prophétique. Gloire à Dieu. Amen. C'est la parole de donc Dieu. Le vrai prophète, c'est celui qui va donner les paroles pour que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Gloire à Dieu. Amen. Alors tous les prophètes rendent de Jésus. Témoignage. Quand Jésus te prend, gloire à Dieu. Amen. Tu vas aimer Dieu de toute ton âme. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il va te donner une nouvelle âme. Gloire à Dieu. Amen. Pour que tu aimes Dieu de toute ton âme. Gloire à Dieu. Amen. Il va te donner un nouveau cœur pour que tu aimes Dieu de tout ton cœur. Il va te donner une nouvelle pensée pour que tu aimes Dieu de toute ta pensée. Une nouvelle force pour que tu aimes Dieu de toute ta force. Gloire à Dieu. Amen. Comment reconnaître ton vrai prophète. Gloire à Dieu. Amen. C'est pas la parole de l'agneau qui a été immolé. Gloire à Dieu. Amen. Quand tu l'entends, tu pars du coup pour être Christ. C'est Dieu. Gloire à Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Gloire à
Dieu. Jean n'a pas dit à ceux qui méprisent Dieu qu'il ne vous arrivera aucun mal. Gloire à Dieu. Il a dit, lâche de vie. Jésus va vous brûler dans le feu. C'est un point. Gloire à Dieu. Que toute personne qui n'est pas crucifiée sera brûlée dans le feu qui est cet un point. Gloire à Dieu. C'est la parole de Dieu. Condamné à suivre le Christ. Gloire à Dieu. A renoncé à toi. Celui qui aime ça fait la paix. Gloire à Dieu. C'est la parole de Dieu. Vous êtes une race de vipères. Gloire à Dieu. La race du serpent. Gloire à Dieu. La race de la chair, de je veux, de il nous faut. La race qui estime le paraître plus que Dieu. Gloire à Dieu. C'est la parole de Dieu. La race du serpent ancien. Le menteur. Gloire à Dieu. C'est la parole de Dieu. On reconnaît un vrai prophète. Gloire à Dieu. Donc, un prophète. C'est à partir de la parole. Gloire à Dieu. Il y a la parole du vrai prophète. Il y a la parole du faux prophète. C'est la parole de Dieu. On va voir Dieu le vrai prophète. Gloire à Dieu. Le Dieu des vrais prophètes. Gloire à Dieu. Il y a la parole qui donne au vrai prophète. Gloire à Dieu. Il y a le Dieu des faux prophètes. Il y a une parole qui donne au faux prophète. Comment reconnaît-on un vrai prophète? Gloire à Dieu. Donc, oh prophète, c'est la parole de Dieu. Alors il va dire à Adam, le jour où tu manges, tu vas. Gloire à Dieu. La Christian. Gloire à Dieu. Le renoncement. Gloire à Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Alors dans la parole, s'il y a le miracle de la vérité. Gloire à Dieu. C'est que tu as la vie éternelle. Maintenant que tu es dans cette parole. Gloire à Dieu. C'est comme ça que tu reconnais la vraie parole prophétique. Gloire à Dieu. C'est la parole de Dieu. Les prophètes ont la parole prophétique. Christ est crucifié. Gloire à Dieu. C'est la parole de Dieu. On ne peut faire le miracle de la sanctification si ce n'est pas l'agneau qui a été immolé, qui enlève le péché du monde. Gloire à Dieu. Que personne ne prenne ta couronne. C'est la parole de Dieu. Le miracle mensonger. Gloire à Dieu. Qui n'enlève pas le péché, qui n'a détruit pas le feu éternel. Gloire à Dieu. C'est la parole de Dieu. Séduction. Gloire à Dieu. Le mensonge. Gloire à Dieu. Du commencement jusqu'à la fin. Gloire à Dieu. Tu dois examiner la parole. Gloire à Dieu. Adam va tomber. Gloire à Dieu. Il ne va pas examiner la parole. Gloire à Dieu. C'est dans la parole que tu vas discerner le faux prophète. Le Dieu qui est le faux prophète. Gloire à Dieu. C'est la parole de Dieu. Il a dit que Dieu a-t-il réellement dit. Gloire à Dieu. Que si vous mangez, vous allez mourir. Gloire à Dieu. Absolument, vous n'allez pas mourir. Gloire à Dieu. Et il veut que tu manges. Que tu gagnes ta vie. Que tu ne sois pas crucifié. Gloire à Dieu. Que tu gardes ta vie, ton honneur, ta gloire, ta famille, tes maisons, tes voitures. Gloire à Dieu. C'est un faux Dieu, c'est un faux prophète. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Il va faire les miracles mensongers. Miracles mensongers, il est le père des miracles mensongers. Il fait les miracles, il manque de son propre fond. Il est le père du mensonge. Gloire à Dieu. Il fait les miracles mensongers. Gloire à Dieu. Pour t'empêcher, gloire à Dieu, de croire la parole de la vérité. C'est la parole de Dieu. Que Dieu t'aide. Amen. C'est la parole de Dieu. Ils sont nombreux. Gloire à Dieu. Jésus dit qu'il s'élèvera beaucoup de faux prophètes. Ils vont compter sur les miracles mensongers. Ils vont être ennemis de la parole de la Christ. Crucifixion. Gloire à Dieu. Amen. Beaucoup les suivront parce qu'ils auront l'amour du péché. L'iniquité se sera accrue. Gloire à Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Que Dieu. Les gens ne vont plus chercher la sanctification. Gloire à Dieu. Amen. Si les gens cherchaient le miracle de la sanctification, la thématique des vrais prophètes, gloire à Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Les gens qui vont trouver le vrai prophète, ce sont ceux qui fuient la colère à venir. Gloire à Dieu. Amen. Donc ils ont la parole au nom de celui qui brûlera la paille dans le feu. Qui ne s'éteint point. Gloire à Dieu. Amen. Si tu ne veux pas être brûlé dans le feu, qui ne s'éteint point. Cherche le vrai prophète. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Qui a la parole de ta sanctification, sans laquelle tu vas brûler dans le feu. Qui ne s'éteint point. Gloire à Dieu. Amen. Que personne ne prenne ta couronne. Il faut bien écouter. Gloire à Dieu.
Dieu. Amen. Tu vois les gens qui ont le message ici. Et après, on continue à les envoyer les messages. Gloire à Dieu. Amen. Il t'envoie les messages parce que toi, tu ne lui envoies aucun message. Gloire à Dieu. Amen. Tu as fermé ta bouche. Son nom. C'est la parole de Dieu. Tu as honte de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Tu fais l'amitié. Trahis le Seigneur. Jésus. Il y a des gens vraiment que tu demandes que le Seigneur nous aide. Amen. Je ne peux pas connaître la vérité comme ça. Un faux prophète parle, je ne le prends pas. Non. Gloire à Dieu. Amen. C'est à lui d'écouter la parole de la Christ. C'est Christian. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dans ton message, gloire à Dieu, qui va me faire éviter le feu éternel, si ce n'est la Christ Christian. Quelle dimension de Christ Christian. Tu apportes, gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Quand la bouche est fermée, gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Vainqué par la parole de l'être. Toi, la parole de ton témoignage. Gloire à Dieu. Toi, ta part de parole. Gloire à Dieu. Son nom. C'est la parole de Dieu. Tu as la personne que la parole qui devait te donner le frère miracle et la sanctification. Tu as fui. Gloire à Dieu. Son nom. C'est la parole de Dieu. Tu ne peux rien sortir de bon de toi. Gloire à Dieu. Amen. Parce que tu as un problème avec le crucifix. Gloire à Dieu. Amen. Moi, je n'écoute pas la parole des gens qui fuient la crucifixion. Comment vous êtes même? Gloire à Dieu. Amen. En apprenant comment vous mourrez les cieux ouverts. Gloire à Dieu. Amen. Dis que tu as fait la crucifixion. Amen. Je n'écoute que la parole de la crucifixion. Amen. Parce qu'il me fait le miracle de ne pas aller au feu éternel. Gloire à Dieu. Son nom. C'est la parole de Dieu. C'est par la crucifixion qu'on obtient le miracle de la sanctification. Gloire à Dieu. Son nom. C'est la parole de Dieu. Va donc à Jésus pour qu'il te crucifie. Si. Gloire à Dieu. Amen. Jean est un prophète. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que Jean pouvait dire qu'on m'a fait? Non. Qu'on m'a pris? Non. Que je décroisse et que Christ croisse. Gloire à Dieu. Amen. Donc Jean ne peut pas dire qu'on m'a insulté. Gloire à Dieu. Amen. Mais qu'on n'insulte pas Jésus. Si. Gloire à Dieu. Amen. Et je vous envoie que Dieu nous aide. Gloire à Dieu. Amen. Avec tout ce que tu apprends ici, la bouche est toujours. Gloire à Dieu. Amen. Alors que les faux prophètes regardent là-bas. Gloire à Dieu. Amen. Tous les temps, ils envoient les petites deux minutes. Gloire à Dieu. Amen. Les vidéos aux gens. Gloire à Dieu. Amen. Après, tes pièges pour que tu viennes gagner ta vie. Gloire à Dieu. Amen. La parole prophétique, c'est le mensonge. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Tu dis ce qui ne t'arrivera aucun. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, il va faire le miracle pour que tu gagnes ta vie sur la terre. Diable, le Dieu de ce siècle. Gloire à Dieu. Amen. Qui envoie les faux prophètes. Gloire à Dieu. Amen. Il s'appelle sur la parole du mensonge. C'est-à-dire que la parole qui dit que tu peux être bien. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. En gagnant ta vie. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Et la parole qui dit que si tu veux la sainteté. Gloire à Dieu. Amen. Tu peux être bon sans la crucifixion. Gloire à Dieu. Amen. Tu peux être bon sans renoncer à manger à l'arbre de la connaissance. Du bien et du mal. Gloire à Dieu. Amen. Tu peux être que juste. Gloire à Dieu. Amen. Et les prophètes sont remplis dehors. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. De Dieu. Tu te fais prier pour ça. Gloire à Dieu. Amen. À partir de la parole du mensonge. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Tu as dit de manger. Tu as mangé ta vie. Maintenant tu as faim. Gloire à Dieu. Amen. De gagner ta vie. C'est la parole que tu as mangé. Amen. Tu vas voir toutes les personnes qui sont toujours là-bas dehors. Gloire à Dieu. Amen. À écouter tel pasteur, tel prophète. Gloire à Dieu. Amen. Qui finit toujours par quitter la parole de la crucifixion. Parce qu'on leur dit qu'absolument Dieu ne dit pas que tu vas mourir totalement. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu vas avoir un pied dedans et un pied dehors. C'est terminé. Gloire à Dieu. Amen. Il mange le mensonge. Un peu de l'épée. Fait lever toute la patte. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Quand on les attrape. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'il a des racines? Non. Son nom. C'est la parole de Dieu. C'est de connecter les Ève. Gloire à Dieu. Amen. Qui vont se déconnecter de la vie et l'esprit. Gloire à Dieu. Amen. De la parole prophétique. Amen. De la crucifixion. Par laquelle le péché est enlevé. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Par laquelle toutes sortes de maladies. Gloire à Dieu. Amen. Sont guéris. Son nom. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. On va donc voir le diable. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Et comment il va venir. Gloire à Dieu. Amen. Il dit que tu ne vas pas mourir. Oui. Tu vas devenir oui. comme Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Yes. Aime tellement. Gloire à Dieu. Ennemi de la croix. De Christ. Est-ce que tu le lances encore toi-même? Non. Tu prends tous tes désirs. Si. La confiance. Si. Son nom. C'est la parole de Dieu. Le Dieu de la vie. Gloire à Dieu. Amen. La confiance en ta force. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Et puis,
commence maintenant à chercher ce qu'il t'a dit. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Et quand tu manges, gloire à Dieu. Amen. Il te dit, est-ce que tu es mort? Non. Gloire à Dieu. Amen. Alors il t'a déjà trompé sur le premier miracle. Mensonger. Tu es déjà mort, mais tu ne sais pas que tu es mort. Gloire à Dieu. Amen. Il t'a déjà menti que tu n'es pas mort. Alors que tu es déjà mort. Gloire à Dieu. Amen. Et tu commences à croire que son miracle est vrai. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Est-ce qu'ici là-bas, croit que sa vie est une maladie? Son nom. C'est la parole de Dieu. Que sa vie, c'est la vie des morts. Gloire à Dieu. Amen. Laisse les morts enterrer les morts. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu peux croire ça? Non. Son nom. C'est la parole de Dieu. Dieu t'a menti que c'est la vie. Gloire à Dieu. Amen. Que ta vie, c'est la vie. Gloire à Dieu. Amen. Alors que tu es mort. Nous qui étions morts dans nos offenses. Gloire à Dieu. Amen. Tu nous as rendus à la vie. Gloire à Dieu. Amen. Je veux que tu vois le mystère de la parole du mensonge. Gloire à Dieu. Amen. Les faux prophètes sont forts dans la parole. Gloire à Dieu. Amen. C'est la parole du mensonge qui fait le miracle. Mensonger. Gloire à Dieu. Amen. La conscience est du mensonge. Gloire à Dieu. Amen. Va te convaincre que, gloire à Dieu, amen, le péché, c'est de ne pas gagner ta vie. Gloire à Dieu. Amen. Quand tu ne gagnes pas ta vie et tu ne veux pas que d'autres gagnent la vie, c'est toi qui es un pécheur. Gloire à Dieu. Amen. Son, c'est la parole de Dieu. Tu n'aimes pas ton enfant. Gloire à Dieu. Amen. Tu n'aimes pas ta femme. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Dieu ne vous aime pas. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi qu'il vous empêche de vivre votre vie. Gloire à Dieu. Amen. Ta vie est inférieure à la vie de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Dieu te donne sa vie pour être supérieur. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. On reconnaît un vrai prophète par la parole de la crucifixion. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est toi qui vas voir les miracles. Mensonger. Gloire à Dieu. Amen. Un peu mange. Gloire à Dieu. Amen. Tu dis que tu avais dit que Dieu mange. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu es mort? Gloire à Dieu. Amen. Va dire le même mensonge à Adam. Gloire à Dieu. Amen. Il va manger. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu es mort? Gloire à Dieu. Amen. Tu pries toujours en langue. Gloire à Dieu. Amen. Il y a Dieu partout. Gloire à Dieu. Amen. Tu chantes toujours la chorale. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu as la sanctification? Non. Son nom. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Tu vois que je n'ai pas il faut. Est-ce que tu as encore le fruit de l'esprit? Non. Tu as encore la paix? Non. Tu as encore la bonté? Non. Tu as encore la bénédiction? Non. Tu as encore la tempérance? Non. On a prêché? Dis-moi. C'est Herbe qui m'a fait. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Miracle. Mensonger. Comment qu'on est un vrai prophète? Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. La parole de la crucifixion. Gloire à Dieu. Amen. J'en ai fait aucun miracle. Il a annoncé la parole de la crucifixion. Gloire à Dieu. Amen. Que sans la parole de la crucifixion, il n'y a pas de miracle de la sanctification. Son nom. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas le créer. Gloire à Dieu. Amen. Comment reconnaître un vrai prophète? Gloire à Dieu. Amen. D'un faux prophète. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce pas les miracles? Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Nous sommes à la première journée de ce semaine. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Le diable a réussi. Gloire à Dieu. Amen. A renversé la thématique. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, regarde les miracles pour définir si tu es un homme nouveau. Gloire à Dieu. Amen. Ça ne marche pas avec Jean-Baptiste. Gloire à Dieu. Amen. Il a fait aucun miracle. Gloire à Dieu. Amen. Mais tout ce qu'il a dit de Jésus était vrai. Gloire à Dieu. Amen. Tu ne bats pas en retraite. Est-ce que tu as la parole de la crucifixion? Gloire à Dieu. Amen. Qui répond au miracle témoin. Gloire à Dieu. Amen. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Établir la parole qui a la thématique du vrai miracle. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Le prophète doit se tenir sur la thématique. Gloire à Dieu. Amen. De la, du vrai miracle. Gloire à Dieu. Amen. Que la parole seule peut faire. Gloire à Dieu. Amen. La sanctification. Sans avoir jamais péché. Gloire à Dieu. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui enlève la culpabilité Bilité. Du monde. Gloire à Dieu. Amen. Tu vois les gens qui refusent la prophétie de la crucifixion. Gloire à Dieu. Amen. Ils disent que tu ne l'auras pas pardonné. Est-ce qu'on peut te pardonner et laisser le péché là-bas? Non. Gloire à Dieu. Amen. Si le péché est encore là, ça veut dire qu'on ne t'a pas pardonné. Ça veut dire que tu cherches le pardon de celui qui n'est pas crucifié. Tu cherches le pardon de l'homme. Gloire à Dieu. Amen. C'est le nombre d'un homme. Gloire à Dieu. Amen. Quand Dieu t'a pardonné, aucun homme ne peut te condamner. Amen. Même si on parle de ton péché 100 fois, Dieu t'a pardonné. Gloire à Dieu. Amen. Et toi-même, tu parleras de ton péché. Gloire à Dieu. Amen. Oui, tu dois parler toi-même de ton péché. Gloire à Dieu. Amen. Si je parle de mon péché, gloire à Dieu. Amen. Celui qui va aussi parler de mon péché rend témoignage. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Pourquoi tu vas te fâcher? Tu n'es pas Christ. Dieu. Tu ne crois pas en Jésus le Christ.
sais. Dieu. Tu attends le faux prophète. Gloire à Dieu. Amen. Qui va dire qu'on enlève tes péchés sans la crucifixion. Que le Seigneur nous aide. Amen. Sondeur. Gloire à Dieu. Amen. Si Dieu t'a pardonné, la preuve de ton pardon, c'est qu'il enlève ton péché. Jean-Baptiste dit que voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Gloire à Dieu. Amen. Le péché, c'est la vie d'un homme. Gloire à Dieu. Amen. Sondeur. C'est la parole de Dieu. C'est l'âme d'un homme. Gloire à Dieu. Amen. Qui est donné par Satan. C'est l'esprit d'un homme qui est donné par Satan. Gloire à Dieu. Amen. Sondeur. C'est la parole de Dieu. On doit le crucifier. Gloire à Dieu. Amen. Sondeur. C'est la parole de Dieu. Il n'enlève pas la crucifixion. Gloire à Dieu. Amen. Je suis un vrai prophète. Gloire à Dieu. Amen. Si tu mets la parole en pratique, tu vas voir le miracle. Gloire à Dieu. Amen. S'accomplir. Je suis d'abord témoin. Gloire à Dieu. Amen. Je suis un miracle. Sondeur. C'est la parole de Dieu. Je n'ai aucun cas de moi-même. Gloire à Dieu. Amen. Qui de vous me convaincra de péché? Moi, Jean-Baptiste, je suis rempli du Saint-Esprit depuis le ventre de ma mère. Gloire à Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Et du cœur, gloire à Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Je suis le prophète des miracles mensongers. Gloire à Dieu. Amen. Prophète des miracles que personne ne peut faire. Personne ne peut avoir la parole, c'est gloire à Dieu. Amen. Pour faire le miracle de la vérité, la sanctification. Terrible autorité, gloire à Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Il est question de mettre sur pied, gloire à Dieu. Amen. Une personne qui peut dire que je n'ai jamais péché. Gloire à Dieu. Amen. Tu veux que quelqu'un dise que les péchés que j'ai fait, on parle encore. Tu es chrétien? Non. Tu es chrétien? Non. Un chrétien a déjà péché? Non. Un chrétien n'a jamais péché. Gloire à Dieu. Amen. C'est une nouvelle créature. Qui va le condamner? Gloire à Dieu. Amen. Il est dans la pardon qui n'a jamais péché. Il est dans le sang qui n'a jamais péché. Il est dans l'esprit qui n'a jamais péché. Tu as vu Jean-Baptiste qui dit que pardonne-moi? Non. Que Dieu nous aide. Que la parole de Dieu. Que Dieu. Il y a là-bas. D'autorité. Il y a là-bas trois de puissance. Gloire à Dieu. Amen. Il y a encore le souvenir du péché. Non. Pourquoi quand on parle du péché, tu dis que c'est toi? Gloire à Dieu. Amen. Si tu étais vraiment pardonné, tu serais crucifié. Si tu avais suivi l'agneau qui a été immolé, quand il t'a justifié, quelqu'un peut te condamner? Non. Sondeur. C'est la parole de Dieu. La pardon de Dieu. Que le Seigneur t'aide. Gloire à Dieu. Sondeur. C'est la parole de Dieu. On reconnaît un vrai prophète. Gloire à Dieu. Amen. Par la parole de la crucifixion. Christian. Qui fait le miracle de la santé. Amen. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. On a chassé les démons en ton nom. Tu ne verras pas le Seigneur. Retire-toi de moi. Tu es un faux prophète. Gloire à Dieu. Amen. Tu as suivi le faux prophète. Gloire à Dieu. Amen. T'as attrapé ta eu. Gloire à Dieu. Amen. Ta vie était plus importante. Gloire à Dieu. Amen. Que la vie du Christ. Il t'a menti. Gloire à Dieu. Amen. Sondeur. C'est la parole de Dieu. Seigneur, tu as subi celui qui pouvait t'honorer dans la chair. Gloire à Dieu. Amen. Recherche l'honneur de ton maître. Gloire à Dieu. Amen. De ton créateur. Sondeur. C'est la parole de Dieu. On a fait beaucoup de miracles. En ton nom. Retirez-vous de moi. Maudit. Allez dans le feu. Qui est cet impôt? Il est. Gloire à Dieu. Amen. Vous n'avez pas pris la parole qui fait le miracle que vous ne partez pas au feu. Éternel. Si vous cherchez réellement la sanctification. Gloire à Dieu. Amen. Vous deviez connaître le vrai prophète. Amen. Le vrai pasteur. Le vrai ouvrier. Le vrai apôtre. Gloire à Dieu. Amen. Le vrai frère. La vraie sœur. Gloire à Dieu. Amen. Le vrai évangile. Jenny. Le vrai Jésus. Amen. Gloire à Dieu. C'est la parole de Dieu. Le vrai esprit. Gloire à Dieu. Amen. Sondeur. C'est la parole de Dieu. Le problème, c'est que les gens ne recherchent pas la sanctification. Gloire à Dieu. Amen. La pardon de la sanctification. Sanctifie-les par ta parole. Ta pardon est la vérité. Gloire à Dieu. Sondeur. C'est la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est la parole qu'on recherche. Le prophète. Fait. On recherche la parole. Est-ce qu'il n'y a pas de prophète dont on puisse consulter la parole? Gloire à Dieu. Amen. Mon problème, c'est le péché. Qui m'envoie éternel. Est-ce qu'il n'y a pas un prophète au Cameroun? Gloire à Dieu. Amen. Donc on puisse consulter la parole. Pour aller consulter Barzabou, le Dieu des trônes. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. La parole de Dieu. Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté. Amen. Tu vas mourir. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le vrai homme, tu vas mourir. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. La parole de Dieu. Tu vas consulter Barzabou, le Dieu des trônes. Son nom. C'est la parole de Dieu. Ici, il y a la parole de la Christ. Gloire à Dieu. Amen. Que tu peux consulter. Gloire à Dieu. Amen. Il y a un frère qui disait hier soir ou ce soir ou aujourd'hui le matin. Gloire à Dieu. Amen. Quand la parole a enseigné tout ce qu'il y a dans la crucifixion. Gloire à Dieu. Amen. Tu pouvais consulter la parole de la crucifixion. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Sondeur. La parole de Dieu. Consulter Balsabod. Gloire à Dieu. Amen. Le Dieu des clans, le Dieu du mensonge, le Dieu du faux frère, le Dieu qui contourne la crucifixion. Le Dieu qui dilue la parole de la crucifixion. Sondeur. Le Dieu qui contourne l'agneau qui a été immolé. Gloire à Dieu. Amen. Le Dieu
Dieu, qui favorise le sang de ta famille, le sang de ta conscience. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Le sang de ta répétition. Gloire à Dieu. Il facilite ta douleur, il cache ta douleur. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Dieu nous aime. Homme de douleur. Gloire à Dieu. Il a pris l'obéissant par les choses. Il a souffert. Gloire à Dieu. Il t'envoie dans la souffrance. Gloire à Dieu. Amen. Soyez d'avoir été jugé digne d'être battu pour le nom du Seigneur Jésus. Je suis non seulement prêt à souffrir, mais à mourir pour le nom de Jésus. Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Amen. On va couper la tête de Jean-Baptiste pour le nom du Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Gloire à Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Le prophète mensonger, je vais aller à tel pays. Gloire à Dieu. Amen. Je vais aller à tel endroit. Gloire à Dieu. Amen. Il y a la parole à Nisraël. Amen. Gloire à Dieu. Le nom nouveau. Gloire à Dieu. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Il y a là-bas trône d'autorité. Ceux qui suivent Jean-Baptiste, des bien-amis du Seigneur. Jésus. Gloire à Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Christ crucifié. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Celui qui a fait la crucifixion, celui qui commence à te prêcher. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Il sait vraiment que tu n'as pas de racines. Gloire à Dieu. Amen. Ils savent eux-mêmes que tu n'as pas de racines. Ils peuvent venir me prêcher. Non. Ils ne peuvent pas. Je suis à l'offense. Gloire à Dieu. Amen. J'attaque. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. C'est la parole du témoin. Amen. Les pharisiens peuvent prêcher à Jean-Baptiste. Non. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Je cherche les membres. Non. Ils reçoivent les présents. Non. Son nom. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Il a trop d'autorité. Il a trop de puissance. Gloire à Dieu. Amen. Il avance avec une témérie. Les gens. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Il est conscient de lui-même. Non. Il cherche le mariage. Non. Il cherche au travail. Non. Il cherche ce que tu disais qu'il est vrai prophète. Non. Son nom. C'est la parole de Dieu. Il n'est pas digne de délier la couronne de ses souliers. Gloire à Dieu. Son nom. C'est la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il estime l'agneau qui a été immolé. Gloire à Dieu. Son nom. C'est la parole de Dieu. Je suis à 100% pour ça. Que Jésus enlève le péché du monde. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. C'est le Père qui a parlé. Gloire à Dieu. Amen. Celui sur qui tu verras l'Esprit. La personne du Saint-Esprit descend. Gloire à Dieu. Amen. Celui qui est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Celui qui a la parole. Gloire à Dieu. Amen. De la crucifixion. Si tu gardes sa parole, Rome. Tu ne verras jamais la mort. Hey! Alléluia! Amen. Gloire à Dieu! Amen. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Gloire à Dieu! Amen. Ils ont la parole qui parle de lui. Gloire à Dieu! Amen. Ils ne parlent pas d'eux-mêmes. Gloire à Dieu! Amen. Mais la parole en pratique. Oui. Gloire à Dieu! Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu! La parole des gens. Gloire à Dieu! Amen. Venais-tu de Jésus? Non. Gloire à Dieu! Amen. Venais-tu de la parole de si. Dieu? Amen. Gloire à Dieu! Amen. Son nom. Amen. Venais-tu du diable? Gloire à Dieu! Amen. Son nom. Pourquoi n'avez-vous pas cru en sa parole? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Parce que vous détestez le Christ. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. La parole que j'ai donnée à Adam, ça venait de Dieu, venait du diable. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Pourquoi n'a-t-il pas cru en ma parole? Il voulait devenir. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. On ne pardonne pas tes péchés. Gloire à Dieu. Amen. Sans les enlever. Quand on les a enlevés, gloire à Dieu. Amen. Est-ce que ça existe encore? Non. Maintenant, on te donne une vie qui n'a jamais péché. Gloire à Dieu. Amen. Adam a mangé. Gloire à Dieu. Amen. Donc, comme il a mangé, la parole a dit qu'il va mourir. Gloire à Dieu. Amen. Donc, on ne peut plus rien faire avec la vie qui a mangé. L'âme qui a péché, c'est celle qui mourra. Gloire à Dieu. Cet homme doit mourir par la crucifixion. Il en témoigne que Jésus avait dit la vérité. Rité. Que l'âme qui mange, ça va mourir. Si tu dis qu'on t'a pardonné, reconnais ton péché. Alors, tu vas mourir. Reconnais que la parole avait dit que si tu manges, tu mourras. Donc, on va te crucifier. Ne dis pas qu'on m'a pardonné sans me crucifier. Ça veut dire que tu dis qu'il manque encore. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Que tu t'étais, que Dieu t'aide à retrouver le mystère de la fausse prophétie. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu vois les fils de la malédiction. Gloire à Dieu. Amen. C'est ce qu'on enlève le péché, mais qu'on fasse vivre la vie du péché. Gloire à Dieu. Amen. Donc Dieu, tu es menteur. La vie du péché peut continuer à exister. Gloire à vivre. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Amen. Gloire à Dieu. Amen.
d'autorité, trône de puissance. Là, là, Amen. C'est la parole de Dieu. Tu manges, tu vas mourir. Là, là, Dieu. Amen. Quand tu viens à Dieu, tu viens au vrai prophète. Là, là, Dieu. Amen. Il te dit que tu as créé. Chez. Là, là, Dieu. Amen. Tu viens consulter la parole pour qu'on enlève ton péché. Là, là, Dieu. Amen. Reconnais alors ton péché. Là, là, Dieu. Amen. Si tu reconnais ton péché, tu vas aussi reconnaître que la vie qui a péché doit mourir. Là, là, Dieu. Amen. Quand on parle de te crucifier, tu commences à dire qu'on parle encore de mon péché. Là, là, Dieu. Amen. On va parler de la vie qui a péché, de l'esprit qui a péché, jusqu'à ce que tu meurs et que tu saches que tu n'as jamais péché. Amen. Dans la résurrection. Là, là, Dieu. Amen. Qui te dit que tu as péché? C'est parce que tu n'es pas crucifié. Crucifié. La loi exerce son pouvoir si long. Aussi longtemps qu'il vit. Mais si tu es mort, qui va encore dire que tu as péché? Personne. Là, là, Dieu. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Là, là, Dieu. Amen. Va te consulter, Balzac. Là, là, Dieu. Amen. Est-ce qu'il n'y a pas la parole ici pour qu'on consulte? Il faut enlever ton péché. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Le Seigneur nous aide. Amen. Il parle d'église. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. De doctrine. Que le Seigneur nous aide. Amen. De Jésus. À Jésus. D'évangile. D'évangile. D'esprit. D'esprit. De confession. À confession. De blâme. Blâme. Gloire à Dieu. Amen. D'accusation. D'accusation. Gloire à Dieu. Amen. Aujourd'hui, celui-ci est bon. Gloire à Dieu. Amen. Demain, il est mauvais. Aujourd'hui, que tu as dit qu'il est bon. N'est pas demain, tu m'as aussi dit que celui-ci est mauvais. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Quand tu nous as trouvé, tu n'as pas dit qu'on était bon. Si. Gloire à Dieu. Amen. Aujourd'hui, on est mauvais. Il fallait qu'on laisse ta vie de péché. Gloire à Dieu. Amen. Il fallait qu'on trahisse, on devienne des faux prophètes. Gloire à Dieu. Amen. Ici, le miracle, c'est la crucifixion. Gloire à Dieu. Amen. Si on ne t'a pas crucifié, on ne t'a pas pardonné. On n'a pas levé ton péché. Si on ne fait pas les miracles, mensonger. Gloire à Dieu. Amen. Dieu m'a pardonné. Dieu m'a pardonné. Tu as encore la conscience de la culpabilité. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Regarde mon cœur là-bas, gloire à Dieu. 45 minutes. 45 minutes, gloire à Dieu. Amen. On a 5 minutes, gloire à Dieu. Amen. Comment reconnaître un prophète de la vérité? Gloire à Dieu. Amen. C'est pas la parole non. de la crucifixion qui fait le miracle de la sanctification. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Donc, tu viens consulter la parole du prophète qui rend de Jésus le témoignage. C'est quel Jésus? C'est lui qui était mort. Gloire à Dieu. Amen. Qu'est-ce qui accepte la crucifixion? Ta maladie, tu m'as guéri. Gloire à Dieu. Amen. Tout de suite. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Il y a des gens qui pêchent contre la parole de la crucifixion. Ils peuvent être dans notre église. Gloire à Dieu. Amen. Que la parole de la crucifixion ne marche pas. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Jésus n'est pas l'agneau qui enlève le péché du monde. Gloire à Dieu. Amen. Que la seule vie, c'est la vie du dragon, de la bête et du faux prophète. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. La seule conscience, c'est la conscience de l'homme. J'espère. Gloire à Dieu. Amen. On parle encore de mes péchés. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Dieu nous aide. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Jésus lui-même est devenu péché. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'il est fâché quand tu disais qu'il est devenu péché? Non. Son nom. C'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alors la parole de la crucifixion va enlever ta condamnation. Gloire à Dieu. Amen. La parole t'avait condamné. Amen. La vérité t'avait condamné. Que tu dois mourir. Amen. Il va prendre sur lui ta condamnation. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je suis crucifié avec Christ. Gloire à Dieu. Amen. Il a été crucifié pour moi. Gloire à Dieu. Amen. La parole qu'on consulte a le miracle de la sanctification. Gloire à Dieu. Amen. Les gens qui vous envoient les messages, la répondent. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël? Gloire à Dieu. Amen. Est-ce parce qu'il n'y a pas la parole de la crucifixion en Israël dont on puisse consulter pour enlever nos péchés? Gloire à Dieu. Amen. Que tu pars à Écran pour consulter Balzébul. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Si le pasteur est un vrai pasteur, il va te donner la vraie parole. Gloire à Dieu. Amen. Un seul esprit, un seul Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Si tu as des problèmes avec Jésus ici, si tu auras des problèmes avec Jésus partout. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alexandre le forgeur, il ne peut pas aller habiter chez Pierre. Pierre va le chasser. Gloire à Dieu. Amen. Ils ont tous une même parole. Amen. Quand tu as un problème avec un vrai prophète ici, tu auras un problème avec l'autre prophète ailleurs. Gloire à Dieu. Amen. Tu as un problème avec Isaïe, tu auras un problème avec Jérémie. Amen. Tu auras un problème avec Ézéchiel. Amen. Tu auras un problème avec Amos. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Avec Habakouk, avec Agé. Gloire à Dieu. Amen. Tous les prophètes.
prophète, rende de lui le témoignage. Le Christ, viens, Christ, Christ, crucifié, renonce à toi-même. Là, à Dieu. Amen. Tu dois reconnaître que la parole n'avait pas menti. Tu as péché, tu dois mourir. Là, à Dieu. Amen. L'homme qui pèse, c'est elle qui mourra. Donc, on va se mentir crucifié. Là, à Dieu. Amen. On va savoir que tu es délivré de ton péché. Quand tu ne vas plus sentir qu'on parle de toi. Là, à Dieu. Amen. On a alors enlever ton péché. Là, à Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Là, Dieu. Amen. La parole de la crucifixion. Là, à Dieu. Amen. Marche, son. La parole de Dieu. Voilà un vrai prophète. Amen. Là, Dieu. Amen. Tu vois quelqu'un qui fuit la parole de la prophétie, si. De la sanctification. Non. Tu manges encore avec lui. Non. Gloire à Dieu. Amen. Sonne. C'est la parole de Dieu. Tu as perdu le discernement. Gloire à Dieu. Amen. Sonne. C'est la parole de Dieu. Il a emporté à tout vent de doctrine. Gloire à Dieu. Amen. Tu crois que la piété est une source de gain. Gloire à Dieu. Amen. Sonne. C'est la parole de Dieu. La parole avait prophétisé la vérité que si tu manges, tu vas mourir. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, gloire à Dieu. Amen. Il prophétise encore qu'il va faire de toi une nouvelle créature. Il va accomplir. Gloire à Dieu. Amen. Il va détourner le blâme. Gloire à Dieu. Amen. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Gloire à Dieu. Amen. Il va faire de toi quelqu'un qui n'a jamais péché. Hey! Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Alors il te fait naître de nouveau. Gloire à Dieu. Amen. Quand je viens de naître de nouveau, est-ce que j'ai péché? Non. C'est la parole de Dieu. Quel sang m'a fait naître de nouveau? Le sang n'a déjà péché? Non. Gloire à Dieu. Amen. J'ai la loi d'appartenance. Gloire à Dieu. Amen. Oh Seigneur. Jésus. Est-ce qu'il peut pécher? Non. C'est la parole de Dieu. J'ai l'esprit du Seigneur. Jésus. Je suis alors une nouvelle créature. Dieu est mon Père. Gloire à Dieu. Amen. Et l'église est ma mère. Gloire à Dieu. Amen. J'ai le souvenir des péchés. Non. Des choses anciennes sont passées. Passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Que le Seigneur nous aide. Gloire à Dieu. Amen. C'est moi qui serai le premier à dire que j'étais un vieil homme. Gloire à Dieu. Amen. Mais il a fait de moi un homme. Gloire à Dieu. Amen. Voici alors l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Qui enlève la conscience du monde. Péché du monde. Tu es encore conscient de toi-même. Tu n'es pas crucifié. Dieu. Va consulter Balzabod. Gloire à Dieu. Amen. Lui n'a pas la crucifixion. Parle comme un dragon. Gloire à Dieu. Amen. Un agneau. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Amen. Sur le nombre d'un homme. Non. Vieux homme. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide. On cherche la parole de Dieu. On cherche le prophète pour la parole Drôle. De la crucifixion. Qui va faire le miracle de la vie éternelle. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Est-ce que je me vois encore comme pécheur? Non. Gloire à Dieu. Amen. Quand tu dis que j'ai péché, tu parles de qui? Si je fiche, c'est la plus moi qui dis. C'est Christ qui dit à moi. Comment tu dis encore qu'on parle de tes péchés? Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Ta bouche dépose contre toi. Gloire à Dieu. Amen. Tu n'étais pas fils du crucifié. Gloire à Dieu. Amen. Tu voulais nous sentir un piège. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Il y en a plus. Et qui marche en ennemi de la croix de Christ. Que le Seigneur nous aide. Amen. Je le dis encore en pleurant. 9-1 sera la perdition. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Tu ne bats pas de prêtre. Son nom. C'est la parole de Dieu. On reconnaît un vrai prophète par la parole. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Qui a été manifesté en chair. Son nom. C'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Comme Jésus se mit à dire à la foule. Gloire à Dieu. Amen. Au sujet de Jean. Qu'êtes-vous? Allez voir au désert. Gloire à Dieu. Amen. Roseau agité par le vent. Gloire à Dieu. Amen. Pas les gens agités par le vent. Gloire à Dieu. Amen. Telle doctrine est là-bas. Gloire à Dieu. Amen. Dans YouTube, telle doctrine. Si. Écoute aussi le message. Si. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'il n'y a pas la parole de la crucifixion en Israël dont tu puisses consulter l'efficacité? Gloire à Dieu. Amen. Son nom. La parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Un seul pardon de crucifixion. Gloire à Dieu. Amen. Le péché s'est avec. Gloire à Dieu. Amen. Le péché c'est une personne. Gloire à Dieu. Amen. L'homme du péché. Gloire à Dieu. Amen. Doit être crucifié. Terminé. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Christ est crucifié. Terminé. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu.
Dieu. Va consulter Bazabou, le Dieu des clans. Gloire à Dieu. Amen. Sondeur. C'est la parole de Dieu. La pardon de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Il fait Élie. Gloire à Dieu. Amen. Élie le prophétise. Rien. De bon. Gloire à Dieu. Amen. Sondeur. C'est la parole de Dieu. Il cherche la bonté du diable. Gloire à Dieu. Amen. Sondeur. C'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Mais qu'êtes-vous allé, frère? Au désert. Un homme. Vêtu d'habits précieux. Voici. Donc il porte des habits précieux, sont dans les maisons des rois. Oh, oh, gloire à Dieu. Amen. Les faux prophètes. Gloire à Dieu. Amen. Prends que la piété est sous ses yeux. Gloire à Dieu. Amen. Il y a des fiancés avec les habits alors qu'ils sont pauvres, nus et malades. Non. Son nom. C'est la parole de Dieu. Ils ont les vêtements blancs. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'ils se voient habillés? Il est faux, je n'ai pas. Il me faut. Gloire à Dieu. Amen. Il faut qu'on me respecte. Il ne faut pas. Donc tu cherches le prophète, on ne va pas parler de toi. C'est toi-même que tu restes. À Dieu. Amen. Et tu ne recherches pas le Seigneur. Jésus. Que Dieu nous aide. Il vient te envoyer les messages comme ça. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Que Dieu nous aide. Gloire à Dieu. Amen. Tu vois un faux frère. Gloire à Dieu. Amen. Si un faux frère dit qu'un prophète est vrai. Gloire à Dieu. Amen. Il faut prendre garde. Son nom. C'est la parole de Dieu. Comme ça, quand Jésus le Père, l'endroit des faux prophètes, il disait le bien des gens. Gloire à Dieu. Amen. Un pécheur dit du bien de toi, c'est parce que tu n'as pas péché la Christ. Gloire à Dieu. Amen. L'homme riche va suivre Jésus dit du bien. Gloire à Dieu. Amen. Il lui demande tout ce que possède. Il va encore te suivre. Non. Il lui demande la moto, il va encore te suivre. Non. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Il lui demande tout ce que tu possèdes. Gloire à Dieu. Amen. Vous comptez sur le Seigneur. Jésus. Il va encore te suivre. Non. Mais il dit que tu es bon. Tu ne vas pas suivre les vrais prophètes, ils vont te dégager. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. On m'appelle-tu bon. Gloire à Dieu. Amen. Dieu seul est bon. Tu m'appelles Seigneur. Pourquoi m'appeler bon Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je vous commande. Je t'ai dit de renoncer à ta vie. Je t'ai dit d'être victime. Expiatoire. Ne m'appelle pas pasteur, gloire à Dieu. Amen. Tu n'as pas renoncé à toi-même. C'est comme ça que je me suis sauvé moi-même. Et je sauve ceux qui m'écoutent. Gloire à Dieu. Amen. Tu viens sur l'enseignement du Christ. C'est Dieu. Le vrai prophète vient sur sa parole. Gloire à Dieu. Amen. Il est témoin de la véracité de cette parole. Gloire à Dieu. Amen. La parole à ma santé. Gloire à Dieu. Amen. Je rends témoignage. Voici alors l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le Seigneur nous aide. Amen. Celui qui aime sa vie la perdra. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Il va quitter la parole si il t'amène un Dieu des clans. Que Dieu nous aide. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Terminé. Gloire à Dieu. Amen. Qu'il y a la battre d'autorité. Qu'il y a la battre trop de puissance. Faites-vous aller voir des ailes. Gloire à Dieu. Amen. Faites-vous donc aller voir un prophète. Fête. Oui, vous dis-je, un est plus qu'un prophète. Est-ce qu'il a fait les miracles? Non. Tout ce qu'il a dit de Jésus était la vérité. Gloire à Dieu. Amen. Il avait la parole de la crucifixion. Ce qui fait le miracle de la sanctification. Donc toute la terre a besoin. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Dieu nous aide. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Voilà un vrai prophète. Que Jésus dit. Gloire à Dieu. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et qui fait le miracle de la sanctification. C'est-à-dire que tu dis que je n'ai jamais péché. Gloire à Dieu. Amen. Je sens que je n'ai jamais péché. La conscience que je n'ai jamais péché. L'esprit que je n'ai jamais péché. La personne que je suis n'a jamais péché. Son nom. C'est la parole de Dieu. Le prophète, gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Le vrai prophète, qu'est-ce que tu allais voir? Au désert. Gloire à Dieu. Amen. Le vrai prophète vit au désert. Gloire à Dieu. Amen. Il n'a pas de substance pour lâcher avec ses passions, avec ses désirs. Gloire à Dieu. Amen. Il mange le pain qui descend du ciel. Gloire à Dieu. Amen. Il voit l'eau qui sort du rocher de la parole de Dieu. Son nom. C'est la parole de Dieu. Il y a la battre d'autorité, de puissance, au lieu d'inconfortabilité. Gloire à Dieu. Amen. Pour le vieil homme. Gloire à Dieu. Amen. Tu parles au désert. Non. Tu parles habites au désert. Non. La parole de la crucifixion. C'est au désert. Gloire à Dieu. Amen. Il n'y a pas de vêtements sans Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Pas de la conscience de la gloire ou ton nom. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Reste crucifié. Apprenez de moi. Car je suis doux et humble de cœur. Vous les sentiments. Qui était en Christ. Comment reconnaître un vrai prophète? Je suis en train de démontrer. Gloire à Dieu. Amen. Premier enseignement dans ces séminaires. Gloire à Dieu.
Amen. Au désert. Un prophète, oui, plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager. Amen. Il a le message de la crucifixion. Amen. C'est la parole de Dieu. Prophète. Amen. Tous ceux qui mettent en pratique. Amen. Vont suivre Jésus par la vie et l'esprit. Si vous vivez par l'esprit, marchez aussi sur l'esprit. On suit Jésus par la vie de l'esprit. Gloire à Dieu. Amen. En vivant par l'esprit. Gloire à Dieu. Amen. On suit Jésus par le sang de la parole. Gloire à Dieu. Amen. En vivant par le sang de la parole. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. Que la parole de Dieu. Les gens qui ne peuvent pas suivre Jésus. Gloire à Dieu. Son nom. C'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Comment reconnaît-on un vrai prophète? Parce que j'envoie mon messager devant toi, devant ta face. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. Gloire à Dieu. Amen. Préparez ton chemin devant toi. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. La parole de Dieu. Je vous le dis. En vérité. Parmi ceux qui sont nés. Gloire à Dieu. Amen. Il n'en a point. Parmi le plus grand que Jean-Baptiste. Cependant. Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Son nom. C'est la parole de Dieu. Le point. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Expliquez ça. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus est en train de démontrer. Gloire à Dieu. Amen. Que de tous ceux qui sont nés des ventres. Des femmes. Sur la terre ici. Gloire à Dieu. Amen. Il n'y a personne de plus grand que Jean-Baptiste. Il veut montrer que le plus grand est là. Terre, c'est Jean-Baptiste. Gloire à Dieu. Amen. Et que le plus grand de la terre est dernier au ciel. Gloire à Dieu. Amen. Que le dernier au ciel est plus grand que le plus grand de la terre. Son nom. C'est la parole de Dieu. Je suis le royaume des cieux. Amen. Avec sa justice. Gloire à Dieu. Amen. Consulte la parole de Dieu. L'éternel. Gloire à Dieu. Amen. On cherche le prophète pour la parole. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. On reconnaît la thématique de ta parole. Gloire à Dieu. Amen. Quand tu as une fausse thématique, tu vas chercher une fausse parole. Gloire à Dieu. Amen. Tu ne peux pas parler d'église. Amen. Église. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. Que la parole de Dieu. Cherche la vraie thématique. Race de dispère. Cherche la vraie thématique. Tu vas trouver le vrai prophète. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Il y a les paroles qui enlèvent le péché du monde. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Il y a là-bas. Trop d'autorité. Il y a là-bas. Trop de puissance. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. La parole de Dieu. Il dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et violent qui s'en empare. Gloire à Dieu. Amen. J'en prêchais la crucifixion. C'est la violence de la crucifixion qui entre dans le royaume des cieux. Il avait le message de la violence. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Un message violent. Gloire à Dieu. Amen. Tu orientais la chair avec ses passions, avec ses désirs. Gloire à Dieu. Amen. Un vrai message. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Va consulter la parole. Gloire à Dieu. Amen. Et tu seras guéri. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Élisée parti. Gloire à Dieu. Amen. Denis. Gloire à Dieu. Amen. J'avais la parole. Dieu. Normal, le Syrien est parti. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. La Syrie voulait écouter la parole de Dieu. Terminé. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Les vrais enfants de Dieu cherchent la parole de Dieu. Que Dieu nous aide. Et le miracle de la parole de Dieu. Que la sainte éducation. Et non, il ne doit pas la Dieu. Maintenant, le Seigneur, comment reconnaît-on un vrai prophète? Gloire à Dieu. Un faux prophète, un vrai prophète. Le miracle mensonger, non. Pas la parole. J'en ai fait aucun miracle. Mais la parole qui l'a dit avec le miracle de la sainteté. Le miracle de la gloire. De la parole. Le miracle divin, c'est la parole. Je n'ai fait aucun miracle. Mais tout ce qu'il a dit, la parole prophétique, la vérité, qui fait le miracle de la sainteté, ne va pas en retraite. Tu consultes la parole du prophète. Parle à Dieu, c'est la parole du prophète. Soutiens le combat, qui rend témoignage du crucifié. Il rend témoignage du crucifié. Pourquoi là, il trompe? Pourquoi consulter Barzabeth? Le Dieu de plan, par le Dieu, le Dieu de l'hérésie, de l'anti-crucifixion, qui n'a pas la parole dont on puisse consulter, la parole de la croix, par le Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. Voilà le vrai prophète, voilà le messager de l'éternel, de la nouvelle alliance, de l'agneau qui a été immolé, qui enlève le péché du monde. Par le Dieu, voilà un vrai
prophètes, il est la parole de la sainteté. Si tu avais cherché la sainteté, tu aurais connu que c'est un vrai prophète. Ce Dieu le combat. Si vous cherchez à faire la volonté de Dieu, vous deviez savoir que Jean est un vrai prophète. Gloire à Dieu. Cherche à faire la volonté qui est la sainteté. Tu vas savoir la parole de la transmission. Mon temps est fini.